Attention à ce départ sur deux tours hein, pour cette première manche, on va dire. Ceux qui aiment le tennis, on dirait un premier set. Ouais. Ça va se jouer en deux sets gagnants, hein, en quelque sorte, avec d'un côté Jean-Baptiste Dubourg et Olivier Panis. Hein. Il y a deux tours. Deux tours, on vous le rappelle, pour cette première manche, premier set entre Dubourg numéro 1, Renaud Capture, Dea Racine et Olivier Panis là-bas sur l'Audi du Team Comme Toyou. C'est parti! C'est parti! Énorme départ de Dubourg. Ouais, Dubourg est bien parti. Bien, il est mieux parti, je crois, Jean-Baptiste Dubourg, que Olivier Panis. Ouais, ouais, Dubourg est en tête. On va voir déjà visuellement au premier intermédiaire avec ce passage avec. Non. Ouais, petite avance pour Olivier Panis, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Peut-être que je suis trompé. Voilà, attention à Panis qui attaque. Attention, deuxième passage. Deuxième passage avec un Dubourg qui attaque monstrueusement. Dubourg, Panis, Dubourg devant Panis, je crois. Avec l'attaque d'Olivier Panis là-bas dans la partie du virage la plus compliquée. Avec une grosse attaque, regardez la terrible dérive d'Olivier Panis. Fantastique Olivier Panis, Panis qui passe dans le chrono juste avant. Écoutez, alors là, difficile de les départager pour l'instant, on va avoir le temps, mais Panis avait un petit peu d'avance dans le premier intermédiaire et c'est déjà l'arrivée avec ce duel extraordinaire de deux grands pilotes. Pratiquement en même temps, d'élite. D'élite. Alors le verdict du chrono. 35 562 pour Dubourg. 35 571 pour Panis. Dubourg remporte la première manche pour 9 millièmes. 9 millièmes de seconde. Une ovation pour 9. Ce duo. Attention, c'est parti. Meilleur départ de Panis. Ah oui, alors là c'est clair. Meilleur départ de Panis. Est-ce qu'on part pas mieux de ce côté-là? Je ne sais pas, côté en tout cas. C'est possible. Panis un petit peu en avance, semble-t-il, sur l'Audi. Panis en avance. Ouais, Panis en avance. Visuellement, il y a plus de 9 millièmes. Hein. Dans le premier demi-tour, il avait 3 dixièmes d'avance. Attention, Panis est en train de creuser l'écart. Oh là oui, Panis en avance. On va s'acheminer vers une belle. Ouais. Formidable attention, il tape un peu Olivier Panis, il avait une seconde d'avance. Ouais, il a tapé. Il y a l'égalité là. Attention, Dubourg, on passe devant. Dubourg est repassé devant, il a tapé un petit peu Olivier Panis. Qui prend beaucoup de risques l'arrivée. Aïe. C'est Jean-Baptiste Dubourg qui gagne pour 3 dixièmes de seconde. 3 dixièmes. Alors que Olivier avait une seconde d'avance tout à l'heure. C'est énorme une seconde. Et une petite faute dans le virage numéro 2. Jean-Baptiste Dubourg. Formidable victoire de Jean-Baptiste Dubourg. Kazakh verte, toque verte, Franck Lagorce. Kazakh rouge, toque rouge, couleur de motule et de rébellion. Nicolas Prost. Prost Lagorce. C'est le 30e anniversaire du trophée Andros et c'est parti. Et c'est pour rejoindre Jean-Baptiste Dubourg avec un excellent départ, j'ai l'impression, de Franck Lagorce. Hein. Franck Lagorce. Je me demande quand même si on ne démarre pas mieux. Du portique présidentiel. Et regardez l'écran géant avec la caméra embarquée avec Franck Lagorce. Énorme écart en faveur de Lagorce. Pour l'instant, Lagorce se balade. Il est déjà dans le virage. Il va passer sur le portique. Oh, j'ai cru qu'il allait taper. Oh là, il a plus d'une seconde d'avance, je crois. Et il attaque Franck Lagorce. Il a la limite de partout. Il tape un tout petit peu, mais c'est pas grave. Ça rebondit. Extraordinaire, Franck Lagorce. Ouais, il retape deux fois. Oh, c'est un chaos que fait Franck Lagorce là. Mais attention d'aller au bout, Patrice. Attention d'aller au bout. Ouais. Il a presque terminé, Francky. Oh, il retape là-bas. Regardez, une c'est fois, pas grave. Deux fois. Il tape, il continue. Énorme attaque de Franck Lagorce. Ouh, le chaos. Ah, ça fait mal là. Ça fait mal. Extraordinaire prestation de Francky Lagorce. Assez rare. De le voir sur un nuage, mais nous avons la chance de l'avoir ce soir sur un nuage. Ouais, il a vraiment dominé, excellent départ et ensuite plus de 2 secondes d'avance. 2 secondes. Ouais, Franck Lagorce, mais alors à l'attaque. Je pensais qu'il allait un peu lever le pied tout à l'heure, mais pas du tout. Pas du tout. Là, c'était imparable. La valise qu'il était en train de mettre à Nicolas Prost. On va essayer de voir si ça démarre pas mieux du côté proche de nous, du côté tribune présidentielle. Il le faut parce que sinon Nicolas Prost ne peut pas. Ouais, il est mieux parti. C'est parti, il est plus rapide Nicolas. Alors attention, c'est maintenant. Oh là là, la prise de risque de Franck Lagorce, c'est incroyable. Eh oui, Franck Lagorce, il sait qu'il est moins bien parti. Il est moins bien parti. Oh, c'est pratiquement. Je crois. Pratiquement à égalité. C'est. Une toute petite avance pour Nicolas Prost de quelques centièmes de seconde. Hein. Ouais, petite avance pour Nicolas Prost, attention. Le deuxième portique, égalité. Oh là là. En visuel, c'est égalité. La bagarre toute petite avance. Énorme attaque de Franck Lagorce.
Frank Lagers qui prend tous les risques. Frank Lagers qui va passer le premier. Oh là, c'est très peu. Hein. C'est très très peu. On va peut-être avoir une balle entre la verte et la rouge. Ouh, Frank Lagers, comment fait-il pour passer Nicolas Prost qui attaque, qui attaque. Lagers devant. Confirmation. Ouais, confirmation, alors qu'il était en retard. Frank Lagers a rétabli et passe devant pour 5 dixièmes. Frank Lagers, 2-0, Frank Lagers en finale. Une demi-seconde et nous aurons le vainqueur du trophée en lance contre le deuxième du trophée en lance. Le vainqueur du thermique contre le vainqueur de l'électrique. Mesdames et messieurs, Frank Lagers. Le premier du trophée en lance 2019 contre le deuxième. Second, la première électrique contre la première thermique. C'est parti. Oh, Lagors est parti avant. Terrible départ de Frank Lagors. Oh, l'énorme départ de Frank Lagors qui est déjà à la sortie de son virage. Oh, c'est incroyable. Incroyable, mais Dubourg n'a pas dit son dernier mot. Lagors, une seconde et demie peut-être d'avance sur Dubourg. Ah, ça va être serré, Frank Lagors. Frank Lagors qui est en avance. Hein. Il est en avance pour l'instant. Grosse attaque de Frank Lagors. Il est sur un nuage ce soir. Extraordinaire, Frank Lagors. Il est toujours en avance, les trajectoires sont affolantes. Mon Dieu, comme je suis heureux de ne pas être à bord de la voiture avec lui. Attention peut-être une réplique de Jean-Baptiste Dubourg. Hop, il revient Dubourg, ça va être sur le finish. Ouais, ça revient très fort pour Jean-Baptiste Dubourg avec une dernière accélération. Il attaque Dubourg, non, c'est Lagors. Ouf. Eh bien, c'est Frank Lagors qui remporte pour 2 dixièmes, c'est-à-dire que... Je l'ai vu. Ouais, Jean-Baptiste Dubourg est revenu de façon terrible dans le deuxième tour parce qu'il avait une seconde d'avance tout à l'heure et il n'en a plus que 2 dixièmes, mais ça fait quand même 2 dixièmes et ça fait une victoire pour Frank Lagors. Attention à la réplique de Jean-Baptiste Dubourg parce qu'on l'a vu vraiment remonter très fort. Hein. Ouais, et ça part au feu vert. Dans un instant pour la revanche, attention, c'est une balle de match pour Lagors. Et c'est parti, énorme départ de Dubourg ce coup-ci. Ouais, ça part très bien pour Jean-Baptiste Dubourg. Ça part mieux de ce côté-là. Dubourg est en tête, je crois. Lagors un petit peu en retard. Lagors. Dubourg en avance. On va avoir une balle sans doute. Attention, Frank Lagers n'a pas dit son dernier mot. Énorme passage de Frank Lagers et de Dubourg. Il en a laissé un bout, Dubourg. Hein. Ouais, il en a laissé un petit peu et pour l'instant, Jean-Baptiste Dubourg revient. Jean-Baptiste Dubourg est en train de peut-être égaliser. Attention. Ouais, je pense. Oh là, ça va être serré. Il avait un petit dixième d'avance. Ouais, c'est limite. Non, Lagers revient. Lagers devant. Lagors devant pour l'instant. Lagors en tête. Je pense qu'il a gagné. Eh oui, pour 2 dixièmes. 2 dixièmes dans la première manche. Et 2 dixièmes dans la deuxième manche. Mesdames et messieurs, Frank Lagers. Et pour la première fois dans l'histoire du sport automobile, c'est une voiture électrique qui remporte une compétition mixte du jamais vu. Alors, ce qui est assez intéressant également, Patrice, c'est de rappeler que Frank Lagors avait été le premier vainqueur ici au Stade de France avec une compétition électrique. Il est associé à Elodie Gossuin et ils avaient gagné devant plein de thermiques. Et bien voilà, avec cette victoire de Frank Lagors, exceptionnel, Jean-Pierre Pernaud. Ah, c'était un moment magique, hein, cette mixité, ce duel et le petit avantage pour l'électrique de Frank Lagors. Hein. Alors ça se joue vraiment à rien du tout sur une piste, vous l'avez vu, extrêmement difficile. Et vraiment, les deux pilotes méritent vos acclamations. Franck, on t'attend sur le podium. Franchissez quelques marches. Et avant de recevoir l'honneur qui t'est dû par tout le Stade de France, on va demander à Max Mamers de te donner la victoire. Sans micro. Allez, un petit mot. Ah, je crois que j'ai crié assez fort pour réveiller tout le monde. Parce qu'il est là, le Stade de France, ce soir. Il est là, on est là. Quelle chance, quel bonheur. Oui, ça c'est fait, mais le plus beau reste à venir, ça va être tout à l'heure. Alors je suis très heureux déjà d'avoir gagné ce défi.
Merci à toute l'équipe Hexagon, on a fait une saison extraordinaire avec cette voiture électrique. En concurrence, bien sûr les thermiques, Jean-Baptiste a gagné le trophée, mais on était quand même capable de le battre et c'est ce que je voulais absolument pour toute l'équipe ce soir. Prouvez qu'on était capable de le battre. Merci à tous. Formidable Franck Lagorce.